Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va comme d'habitude voir les nouveautés en termes d'applications sur notre Google Home préféré. Je vais donc ici vous énumérer les différentes applications qui viennent tout juste de sortir sur notre Google Home. Il y en a donc pour tout le monde et pour tous les goûts. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on part tout de suite dans la découverte des nouvelles applications du Google Home. On va donc commencer par la première application qui va être donc une application pour les joueurs de Babyfoot. On va donc demander à notre Google Home de parler avec Babyfoot. Ok, je vous mets en contact avec Babyfoot. Salut, ça me fait plaisir de parler Babyfoot avec vous. Je connais sur le bout des doigts les règles de notre jeu préféré. Souhaitez-vous réviser une règle en particulier ou aller au menu principal ? Menu principal. Ok, il y a 8 règles principales au Babyfoot. L'engagement, la remise en jeu, les ficettes, les reprises, les roulettes, la gamelle, le changement de position, les demi. Quelles règles souhaitez-vous revoir ? Les roulettes. Les roulettes sont autorisées, mais la barre ne doit pas effectuer plus d'une rotation avant et après la frappe. Souhaitez-vous réviser une autre règle ou aller au menu principal ? La gamelle. Une gamelle est une balle entrée et ressortie du but. La gamelle compte pour un point dans les règles officielles. Souhaitez-vous connaître la règle de la gamelle selon les joueurs de bistrot ? Oui. Au bistrot, la gamelle vaut moins 1, qu'elle soit été effectuée de l'avant ou de l'arrière. En revanche, si l'attaque préfère se rajouter un point, elle a entièrement le droit. Souhaitez-vous réviser une autre règle ou aller au menu principal ? Stop. Voilà, donc si vous êtes des joueurs de Babyfoot, si vous aimez le Babyfoot, vous aurez toutes les règles du jeu grâce à votre Google Home. Vous allez pouvoir donc jouer en famille et s'il y a un conflit au niveau des règles, eh bien appelez l'arbitre Google Home qui va vous dire exactement les bonnes règles. Allez, on passe tout de suite à la deuxième application et on reste dans le foot. Les amateurs de foot vont aimer le Google Home grâce à toutes ces applications qui parlent de foot. C'est parti donc pour cette deuxième application. Parler avec Quiz International de Football. Ok, je vous mets en contact avec Quiz International de Football. Bienvenue, vous voulez rejouer à un jeu Fun Trivia. C'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. Quel genre d'animal était Fuleco, la mascotte de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 ? X et géant. Tatou ou alpaga ? Alpaga. But raté. La bonne réponse était tatou. Voilà donc, parlez avec Quiz International de Football et vous allez pouvoir jouer tout un tas de quiz avec le football. Si vous êtes donc un amateur de foot, vous allez vraiment apprécier cette application. On passe tout de suite à la troisième avec cette douce ambiance de la mer. Parler avec notre Google Home et on va lui demander de nous dire des mots doux. Donc ici, on appelle notre Google Home pour parler avec mots doux. Bien sûr, voici mots doux. Vous êtes un merveilleux exemple pour les autres. Voilà, donc si personne tout au long de la journée vous dit des petits mots doux, eh bien votre Google Home vous en dira et vous dira que des choses super sympathiques. Voilà pour cette troisième application, on passe à la quatrième application et on va jouer avec un petit jeu. Jeu du jeu des trônes. Bien sûr, voici jeu du jeu des trônes. Bonjour, et si on rejouait The Fun Trivia Game ? Attention, c'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. Quel est le régal préféré de Sansa Stark ? Croustillant aux pommes et aux canneberges ? Gâteau au miel ? Ou gâteau au citron. Gâteau au citron. Parfait, bonne réponse. Comme l'explique l'auteur George R.R. Martin, les citrons ne poussent pas dans le nord, donc avoir accès au plat traditionnel de Lannister serait un régal. Jeu du jeu des trônes, vous allez pouvoir jouer là aussi
avec votre Google Home, individuellement ou en famille. Ça peut être vraiment super cool et super marrant. On passe à la prochaine application car aujourd'hui, c'est une grosse vidéo. Il y a donc plein d'applications en cours de développement. Autant donc en profiter. On va demander à notre Google Home de parler avec Fabuliste Perlimpinpin. Bien sûr, voici Fabuliste Perlimpinpin. Bonjour, moi c'est Perlimpinpin, ma principale vertu est ma prodigalité à raconter des histoires. Aimeriez-vous que je vous raconte une histoire? Oui. Silence, mon histoire va commencer. Les voleurs et l'âne. Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait et que le champion songeait à se défendre, arrive un troisième. Voilà donc, Fabuliste Perlimpinpin, ça va être donc tout un tas d'histoires qui va vous être racontées. Franchement, allez tester cette application, vous allez l'apprécier, vous allez l'adorer et vous allez pouvoir écouter des superbes histoires. On passe tout de suite à la prochaine application qui, elle, va vous amener directement en bus. Parlez avec Horaire Bus Chalon en Champagne. Bien sûr, voici Horaire Bus Chalon en Champagne. Bonjour, de quel arrêt souhaiteriez-vous connaître les prochains horaires? Voilà donc, si vous habitez du côté de Chalon en Champagne, vous allez pouvoir avoir les arrêts de bus, les horaires d'arrêt de bus. Vous savez que l'assistant de Google est sur vos smartphones et vous allez pouvoir lui demander à partir de votre smartphone. On continue, c'est parti. Et pour cette petite dernière application, on va demander à notre Google Home de parler avec, fais-moi parler avec Dr. Time Stone. Bien sûr, voici Dr. Time Stone. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer le jeu du voyage dans le temps. Attention, c'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. Quel est l'autre nom pour Messier 81? NGC 3030, NGC 3031 ou NGC 2990? NGC 2990. C'est raté, dommage. La réponse que j'attendais était NGC 3031. C'est la bonne réponse. Messier 81 est également connu sous le nom de Body Galaxy. Question numéro 2. Combien de pays sont en Amérique du Sud? 33, 12 ou 22? Docteur Time Stone, vous allez pouvoir jouer avec ce jeu en famille. C'est un jeu quiz et franchement, testez-le. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est vraiment impeccable. Voilà, donc c'est terminé pour toutes ces applications aujourd'hui sur notre Google Home. Les dernières petites nouveautés sur le Google Home, c'est sur Vision Hightech. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre, à liker et partager comme d'habitude. On est aujourd'hui plus de 10 500 et un grand merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!